Chicao, la Chico, c'est Max Pit pour le Los Tabarnakos. Podcast, c'est l'épisode 25 déjà, c'est débile, les, les choses vont vite. Puis euh, parlant de choses vont, qui vont vite, euh, c'est l'été, puis tout. Puis là, c'est le temps que tu vas vouloir flasher, le déconfinement, il va arriver, puis là, tu vas vouloir avoir la cool, puis tout. Tu veux des choses, nice. Puis mon boy Dwayne de chez LastKick.mtl sur Instagram, il va au Cop. Il y a tout, les celui qu'il n'y a pas. Les Earth Jordan qui était pas capable de trouver, les Yeezy, qui viennent de l'espace. Toutes les grandeurs, tout le kit, toutes les couleurs. Il t'envoie ça, livré à la maison, shipping inclus dans un beau petit sac. Laskick.mt, là, les voir, ils sont vraiment nice. Puis parlant de vraiment nice, euh, mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que je trouve vraiment drôle. Euh, c'est la superstar de la cohorte de 2012 de l'école de l'humour. Le gars-là, il vient gagner il vient un levier pour, euh, pour, pour euh, la, la web série. Euh, qui s'appelle Top Dog, euh, que je trouve vraiment puissant. Euh, Puis aussi, as ton podcast, que là, là je pense que tu es en pause. Euh... Euh, si tu parles de répète pas ça, euh, on, est en, on est en longue pause. Dans le sens que je sais pas encore si je vais le ramener. Ben, ça, ça peut toujours revenir un podcast. Fait que oui, appelons ça une pause. Mais j'en ai parti un autre euh, qui va venir euh, en ondes en, en mai. Fait que euh, répète pas ça. Je... Ouais, on peut comme faire son deuil un peu. Là. Ah ouais. Mais ouais. tu, tu, fais bien, tu, tu fais bien des affaires. Comment tu vas, Alexandre Rizard Je suis vraiment content de t'avoir. Ben oui, je vais super bien, merci. Merci de l'invitation. Euh, Puis euh, ça me fait penser... Là, Tabarnakos, ta ça se peut-tu qu'il y ait un bar à, 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 au Mexique, qui me semble? C'est-tu de là que ça vient? C'est-tu à toi, ce bar-là? Non, y a, y a, ça, y a ça fait... Il <laughs> y a ça à Pléa del Carmen. Oui. Ben, C'est des j'ai Je faisais mes recherches pis tout, sur YouTube. Puis oui, il euh, y a un bar qui s'appelle La Stavandakos avec un C. Ah Puis euh, ça n'a aucun rapport avec moi. J'avais choisi le nom avant de le savoir. Puis il y a aussi une brasserie qu'ils font genre une des meilleures bières, les meilleures bières au Québec. C'est la brasserie Bois Canada à Gatineau. Ils ont une bière qui s'appelle La Stavandakos aussi. Ah, voilà. Puis là, ça, ça vient-tu de ça? Ou euh... Non, non. Pas non, attends, okay, Non, bon. j'avais un co-host. Puis à un moment on cherchait des noms pour. Euh, pour trouver le, le podcast un autre podcast puis on était comme ah, faut que ça soit de quoi de catchy plein maintenant je pense que j'ai parlé genre ah oh ouais faut que ça ressemble genre à Los Santos euh, de Grand Theft Auto on était comme ah, Los Santos Los Taberna ah tiens tu sais puis c'est ça puis c'est euh, drôle parce que là <laughs> des fois tu <t'sais>, justement je euh, <laughs> fais des gags genre je poste dans ma story genre le, des, des photos de la bière là, c'est Coast tu sais le monde sont genre, ah, t'as fait faire ta bière à l'effigie de ton podcast. Je suis comme, ouais, c'est vraiment un long processus compliqué, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux quand t'arrives à 120 followers sur YouTube? T'as ta propre bière. <laughs> you, go. you gotta do what you gotta do. C'est les étapes, tu sais. <laughs> mais non, c'était random comme idée de, 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 de notre podcast, mais tu sais, j'ai des casquettes au nom là c'est avant-la-course, puis à maintenant, il faut que j'y aille au Mexique, whatever, ou ce que c'est, faut que j'aille à ce resto-là, puis faut que j'enregistre ben ouais. le podcast au port. Tu sais. Ben oui, c est, c est... aussitôt ouais. qu'on qu sort de la COVID, il faut que tu fasses ça, genre bucket list, la première affaire sur ta liste, tu fais ça, là. Ils vont sûrement te ah, donner un choix. shooter gratis. Pas de choix. <laughs> puis toi, justement, parlant du, du COVID, je veux pas trop en parler, mais je vous dire, es, là, t'es chanceux, t'es quand même actif, tu fais plein d'affaires, je pense, mais c'était comment pour toi, euh, on va dire, les derniers six mois, avec le, le gros confinement, puis tout? Les derniers six mois, ça, ça nous ramène à genre euh, novembre. Down, uh, ouais, ouais, uh, octobre, novembre. Uh, ben, Octobre. Euh, octobre. Moi, moi, ce qui m'a rentré dedans, c'est bon, je, je, fais, je faisais mon... mon... Heureusement, c'était pas mon premier, là, puis j'ai une belle pensée pour tous les premiers, pour tous euh, les humoristes euh, qui, ont, qui ont fait leur premier gala, juste pour rire, euh, devant une salle vide. Là. Moi, j'ai fait mon deuxième gala, euh, je pense que c'était le 29 septembre. C'était le lendemain euh, qui ont fait euh, l'annonce comme quoi la deuxième vague était là, puis on, on refermait tout pendant 8, 28, 28 jours. Là. Fait qu'on était ouais. les derniers à avoir un peu de public dans la salle. Il y a des gars-là qui ont, que, comme à partir du lendemain, il n'y avait plus le droit d'avoir personne dans la salle. Fait que tout le monde faisait leur numéro, genre a Capella. Comme si tu répétais, c'était un, un ping chez vous devant le miroir, là. mais sauf que tu es au Saint-Denis, tu sais. Devant 2000 oh. sièges vides. Moi, j'ai joué devant 60 personnes, puis honnêtement, c'était pas le fun. J'ai vraiment pas trippé. Euh, c'était vraiment, vraiment weird. Euh, fait fait qu'après ça, j'ai fait un youp. Puis après ça, je suis comme retombé en confinement où là, en novembre, il n'y a pas grand chose qui se passe. Euh, heureusement, ma gérante et l'agence Feedback, là, toute la gang de chez Feedback, euh, qui sont aussi les gérants de Madoff euh, elle a eu une idée folle de pitcher un, 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 un talk show qu'on a tourné dans un hangar devant pas de public, mais c'était vraiment le fun. c'était co-animé avec euh, Stéphane Fallu. Euh, okay. Puis on, on, on vendait ça sur le web, on a reçu Mariana Mazo, Alex, euh, euh, Alex Barrette, on a reçu Nive, euh, Yannick De euh, Christine Morancy. C'était vraiment des gros shows. On avait même euh, des, des moments de, euh, de, de, de stand-up et de, euh, de performance. Puis euh, là, on a, on a vendu comme on a fait, je pense, euh, trois pilotes, trois, euh, trois une heure, puis là, on, on a essayé de pitcher ça à la télé. Fait que si j'avais pas ça en novembre, j'aurais absolument rien eu. Fait qu'elle a fait ça comme okay. pour un peu euh, faire un peu de PR puis nous faire travailler. Puis là, en décembre, ben j'ai eu des corpos Zoom qui étaient weird. Euh, ouais, janvier, les sous-zooms, t'en as fait, toi? Ouais, j'en ai fait une coupe Puis euh, janvier, ça s'est calmé. J'ai pris ça relax. J'ai comme, comme refait comme la première vague, là. J'ai juste écrit puis je suis resté. J'ai eu un petit down en, en janvier où j'ai... Actually, je pense que j'ai rien fait, là. J'ai commencé des puis je ne l'ai pas fini. J'ai écouté Casa del Papel. Puis après ça, j'ai repogné un bout, J'ai recommencé à être productif en février. Puis là, écoute, on est en. Oh mais on est avril. Tu t'as dit, j'ai commencé des puis puis je ne l'ai pas fini. Comment tu as fait pour ne pas le finir? C'est la meilleure chose du monde. En fait, c'est une joke. En fait, c'est justement parce que je l'ai reparti. Parce que je l'ai commencé il y a deux ans. Là, j'ai reparti la saison 3. Et je l'ai, encore une fois, mis sur pause parce que là, je suis rendu au père au, à l'émission, à l'épisode du père qui meurt. est là, que je, je pleure comme... trop, moi? Hey moi, moi ben, je, je pleure ben, sans cesse ben... en regardant ça. C'est ouais. débile. Moi, j'ai... Ouais, fait que là, comme, ça m'a comme... J'ai fait oh, « c'est trop d'émotions dans ce qu'on vit. <laughs> Fuck that. » Fait que je me suis mis un peu à la lecture. Je me suis donné comme défi de lire parce que je lisais pas assez, je trouvais. Fait qu'écoute, puis là, Mars, euh, on dirait que j'ai aucun souvenir de Mars, puis ça vient de passer. Mars, euh, écoute, on a reparti à la machine. Je me suis demandé, ouais. est-ce que je fais le. Je fais-tu le prochain stand-up? Ok, on fait-tu. Euh, on se prépare-tu pour les galas, pour auditionner? Fait que j'étais comme tout dans cette tourmente-là de comment est-ce qu'on repart la machine. Parce que, tu sais, j'ai refait tes shows en présentiel, j'ai refait des shows devant du public. Là, t'es-tu buggé ou tu bouges juste plus? Petit problème technique, les amigos, mais ça arrive. C'est ça qui arrive quand que... Zoom pis tout, là, pis pas de studio, là, la vie des pauvres. Vous savez. What's up, Alex? <laughs> fait que là, tu peux-tu utiliser le début quand même? Ouais, ouais, je vais je faire un petit, euh, un petit montage, là, pis euh, right. je, je je couper. Où? je, je vais couper ça. Ça l'a coupé. Um, tu me parlais. Ah, je suis pas sûr qu'on. On, on parlait de quoi? <laughs> T'as-tu parlé... meilleur gars? Je te parlais... Euh... Ouais, on parlait, non, on, on, on disait le, la fin de ton mois de, de mars, dans le fond. Là, ouais, c'est le... ça, je t'ai rendu en mars. Mais qu'est-ce que je disais de mars, esti? Que tu savais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, dans mars. Oui, oui, ben c'est ça. Fait que là, c'était de savoir, on, on repartait à la ma machine, à savoir, on était tous dans... Tu sais, parce que c'est ça, j'ai fait mes premiers shows, c'est ça que je disais. J'ai fait mes premiers okay, shows en wow. public. J'étais à Gatineau faire un show. Euh... Puis euh, mes shows, euh, j'anime à, à Gatineau une fois par mois à. à, à euh, euh, voyons est À la salle. Je fais des AVC depuis tantôt, on dirait. À la salle Odyssey. Fait que à la maison de la Merci. culture, genre. Fait que je fais ça une fois par mois. Puis là, ça a donné que euh, ça a recommencé en mars. Fait que là, je me suis bouqué de quoi samedi au Troquet dans un bar. Puis euh, là, suis allé là j'ai repogné à piqûre, man tu dans le sens j'ai comme re retesté des nouvelles affaires euh, puis aussi euh, faire du rodé pour comme me, me prouver je comme est-ce que je suis encore un humoriste je suis encore capable j'ai toujours encore la, <laughs> la, la flamme tu fait que c'est tellement Will ce qu'on vit puis là ça, ça a tout refermé j'étais censé retourner ouais. euh, la semaine prochaine j'avais trois shows là ça va être tout annulé fait que là je parle trois shows de rodage puis là tu sais j'ai pris comme décision en mars que j'allais me présenter au prochain stand-up euh, le okay. concours, fait que là, mais tu sais, Christy, là, euh, bon, j'ai un numéro à date que je pourrais le faire sans trop de rodage, mais là, faudrait que ça. Faudrait pas que mes prochains rodages devant public s'annulent, Parce que ouais. là, je serais, là, je serais dans le merde. Moi, moi, je veux dire, de coup, par rapport au prochain send-up, je suis tellement content. Moi, comme un épée, je m'avais dit, ah, je pourrais le faire, moi aussi, même si je suis pas si bon que ça. Mais l'enfer, c'est oui, j'ai une coupe de numéro mais là, sans rodage depuis un an, Yo, si jamais il m'aurait choisi, il aurait fallu que j'aille genre me battre contre toi puis Joe Cormier Puis, ce monde-là. Hey, J'aurais été à la TV, là, épique, là. Fait que je suis tellement content pour vrai là, que j'ai été refusé. Tu sais, moi, j'attendais de le recevoir les j'étais nerveux. C'est -ce que je suis content que je n'ai pas été choisi. Oh mon Dieu. Tu sais, ça, ça revient à ce que j'ai dit tantôt que j'ai une, une, une grosse pensée pour ceux et celles qui ont. Qui ont vécu leur premier gala dans, dans ces, dans ces conditions-là. Puis moi, je m'étais donné, je m'étais promis de ne plus jamais faire de, de concours. J'entends comme de quoi dans les oreilles? Ça se peut-tu? Non, moi, je t'entends bien. OK, OK. On dirait que je capte la radio, Esti. En c'est ça. J'ai une, une, une pensée pour ceux et celles qui ont vécu ces galas là Puis ça revient à, à toi. Mettons que si tu avais été faire. Euh, ce concours-là, puis comme j'ai dit, moi je me suis donné comme je plus jamais, puis là, tu vois, je, je le refais parce qu'on vit tellement dans un monde fucked up. Il faut que je retourne faire un concours. Mais moi, je déteste ça. Je trouve que le stand-up est la, la pire forme d'art qui se prête à des concours. Des concours d'art oratoire, mettons, ou des concours où tu as un sujet, puis tu pas besoin d'être drôle, mettons, un concours d'art euh, plastique, d'art visuel, euh, de musique, la voix, ça fit c'est pas assez puis c'est pas temps personnel tu sais, tu, peux être, tu peux prendre la musique de quelqu'un d'autre mais tu sais, arrives avec tes affaires puis après ça tu te fais juger par trois stand-up genre tu sais, de renom qui font comme je les, ah c'était pas bon puis tu fais comme calis c'est une anecdote où je pensais avoir le cancer du cerveau là, tu sais, je, me, je me suis ouvert à vous là, tu il sais, y a de quoi de, 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 ouais. de, de personnel et d'impersonnel dans ces concours là fait que mais bref je le fais mais c'est une bonne chose t as quel âge toi moi, j'ai 28, je vais 29 euh, le mois prochain. Puis là, tu as dit me midi, uh, off, uh, off the record, que allais, tu voulais auditionner pour l'école ou tu as auditionné ou tu rentres à l'école? Ou... Ouais, bien pour cette année, euh, je fais l'audition, j'essaie l'audition pour la première fois. Okay. Je suis en train de peaufiner mon texte là, cette semaine. Puis euh, j'ai hâte, je suis avec de quoi. de. C'est parce que, que l'humour maintenant, en 2021, c'est tellement plus comme avant. Tu sais, comme tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde qui commence en humour, ils vont commencer à faire de l'humour trash ou de l'humour comme Edgy, puis c'est ça que j'ai fait comme tout le monde. Mais je me suis rendu compte que c'est plus ça. Mais pas que c'est plus ça, mais 2021, c'est rendu différent. Tu, sais, tu peux faire de l'humour absurde, ça, c'est le monde va apprécier. Mais du trash, moins. Puis le numéro que j'ai fait pour l'école de l'humour, c'est de quoi? De complètement absurde. C'est semi-un personnage. Puis euh, Je peux le dire parce que dans le fond, les auditions vont être terminées quand je vais avoir envoyé le numéro. Là. Mais c'est genre un numéro que, dans le fond, je fais comme si... Euh, je me suis trompé dans mes emails, puis je pense que c'est une interview, c'est une audition pour euh, être un candidat à la mourir dans le pré. Puis euh, je pète ma coche parce que quelqu'un vient me parler, puis il est comme De quoi tu parles Il n'y a pas de productrice laitière et de, de, de fermière qui vont faire venir des doutes dans leur terrain, <laughs> terrain. Puis là, je pète une coche, puis j'explique euh, aux juges, dans le fond, qu'ils n'ont pas le choix de me faire laisser rentrer à l'école de mot parce que je veux me rendre à la et dans le pré, puis comme Catherine Lavac, travailler sur un reality show parce que tu sais Catherine Lavac, c'est ce qu'elle voulait faire. <laughs> elle elle rentrait l'amour et l'entrée puis je, je rentre j'ai du temps là-dedans puis je vais deep puis je excité parce que c'est pas le quoi que je ferais normalement mais à l'école de l'humour ouais. j'ai l'impression que tu sais ils en choisissent 12. c'est comme la loterie des comédiens tu comprends ce que je veux dire ouais puis tu sais ils veulent pas euh, je te confirme que ce numéro là tu le feras sûrement jamais après t'sais, euh, t'sais, tu sais tu vas aussi dans non mais dans le sens que comme moi mon, mon, mon numéro euh, ou peut-être aussi tu sais je veux dire je sais pas mais moi mon numéro d'audition ça a été comme mon premier number que j'ai écrit puis il euh, y avait des cues audio euh, c'était une anecdote de. Moi, moi, je suis rentré à, à 10 J'ai fait mon édition, je pense que je venais d'avoir 19 là. J'étais pas. Euh, j j rentré je traîne, toi, le, ouais, moi je rentrais. suis rentré à 19. Wow. Fait que euh, j'avais rien à dire. Là, fait que c'était pas bon. Fait que, là, moi, je suis sorti de l'école à 21 ans. Puis ça m'a pris genre un bon 4-5 ans à savoir quoi dire. Genre, j'étais efficace, mais j'avais pas de contenu. J'étais comme. T'sais, le monde riait, mais le monde ne se souvenait pas de moi nécessairement après. Ou euh... Fait que, euh, que c'est hot. Puis, mais tu que tu dises que le trash marche moins ou que l'absurde marche plus en 2021, euh, fais ben, ce que toi... j'ai peur de faire du trash en 2021. Moi, je n'ai me... pas fait beaucoup de zoom en 2020. Je n'ai fait un. J'ai fait une joke que je trouvais drôle. Je me suis fait blaster parce que c'était grossophobe. J'ai filé bad. Ben, c'était pas vraiment grossophobe, mais je me suis fait dire que c'était ça. J'ai filé bad durant une semaine. Fait que je me suis dit, Chris, oh, ouais. si je fais des gags qui sont limites, que moi je trouve drôle finalement, au lieu de faire rire les gens, il y a des gens qui... qui sont vraiment fusqués. Puis là, moi, je fais le bad par rapport à ça. Chris, euh... je sais pas. Là, mettons, euh, moi, je suis un gros fan d'Anthony Jason Nick en anglais. Puis lui, je veux dire, son humour, il est parfait. Là. Puis il peut oh, faire. Ouais. Euh, il fait des jokes. Euh, il fait une joke, puis il pose, puis comme. Ouais, dans ce jeu-là, je suis un serial killer. Puis c'est fucking drôle, là. C'est genre les meilleurs gag, Puis il le fait bien. Puis quelqu'un qui le fait bien, je vais apprécier comme Faf. Lui, c'est le roi dans son domaine. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis pas encore là. là je ne pas, oui. pas encore le trash assez pour l'enfer comme que je voudrais. C'est ben, comme, comme n'importe. C'est ça, dire, euh, tu sais, je veux dire. Tu vas te forger une carapace à l'école, je te souhaite de rentrer. Là, tu vas, à l'école, moi, c'est. Ça a été mes deux plus belles années de ma vie, mais en même temps, ça me, mes, mes deux années, j'ai eu comme un fast track d'humanité, de, 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 autant de croissance personnelle que de croissance euh, humoristique, là, puis d'apprendre à me connaître. Puis, tu sais, moi, je venais d'Ottawa, euh, j'ai tout laissé mon cercle social là-bas. Euh, j'ai dit bye à mes parents. Euh, une fin de semaine, euh, j'étais déménagé dans un trou et demi tout seul. Puis, euh, le lendemain, je commençais l'école de l'humour. Tu sais, c'était comme, un, ça a été un traitement en choc. Là. Puis Montréal mmh. puis Ottawa, c'est pas la même chose pour toutes, là. T'étais-tu euh, euh, débousselé, genre? Oui, oh, ouais, j'étais complètement. Euh, J'arrive, tu sais, Ottawa, pour moi, c'est une grosse ville. Tu arrives à Montréal, tu fais OK, Ottawa, c'est un chalet, man, à Radun. » tu, Là, tu fais. C'est pas péjoratif pour les gens de Rodden. C'est plus pour dire qu'il n'y a, qu a rien à faire à Rodden. Fait que. Mais Là, j'arrive à l'école, puis première session, moi j'ai failli quitter. J'ai fait fuck off, je suis pas assez bon, je pensais que je serais bon. Ouais ouais, moi j'ai failli quitter l'école. J'avais pas des bonnes notes. Il y avait un cours de texte, il y avait un cours d'écriture où il fallait fallait puncher, puis je suis comme What the fuck? là Lumon s'est rendu des mathématiques, fallait faire un rieur aveugle, une règle de trois, un renversement, un carousel de gag. Je suis comme... Je recevais des tapes là Je un petit peu. Je ne sais pas. Je, mais, j'ai ah, euh, persévéré j'ai fait fuck off. Non, ce pas vrai. Euh, moi, je suis fait pour ça. J'ai eu mes downs, mais j'ai eu mes ups. J'ai travaillé fort. Man. Euh, moi, je faisais partie de ceux qui restaient après les, après les classes euh, à travailler à l'école. On avait le droit de rester. Sauf qu'à okay. minuit, il fallait crisser le camp parce que sinon, la lampe appartait. On est parti la lampe tellement de fois parce que quand on restait après minuit, on oubliait, on travaillait trop. Mais tu sais, ça a porté fruit au final. Euh, dans le sens que tu voyais ceux qui restaient à, à l'école, puis ceux qui disaient Ah, euh, oh, moi, à 5 heures, je m'en vais chez nous Ceux qui mettaient comme le minimum, puis ceux qui mettaient le maximum d'efforts, bien, tu voyais aussitôt que la tournée a, euh, a partie, là, parce que tu le voyais pas trop dans la classe, mais aussitôt que la tournée est partie, là, ça a fait ça. Là. Ceux qui travaillaient fort, ils ont comme des années des années-lumière, puis les autres, leur numéro, ils se Ils étaient bon, puis ils restaient bon. Tout le monde commençait avec des numéros bons. Il y en a que leur numéro devenait excellent puis, puis c'est nice ça ça c'était c'est intéressant à, que tu me dises ça tu sais, puis ça montre que justement quand tu travailles fort ça, ça paye off puis je n'ai parlé un petit peu j'ai fait une joke là, au début du podcast avec ça um, tu sais, t es t'es le seul de, de ta cohorte qui ben, tu sais, qu a une carrière là, que plus établie qui a take off uh, puis dans le fond est-ce que tu étais tout seul qui restait jusqu'à minuit dans le fond ou <laughs> euh, moi j'étais moi j'étais on était une petite gang, mais moi j'avais une maladie mentale, là, puis je l'ai encore sûrement d'ailleurs. J'en ai plus qu'une, mais euh, <laughs> moi j'étais en colocation avec deux autres gars de l'école. Okay. Je travaillais, puis euh, je travaillais à mon bureau, puis j'avais ma lumière d'allumée. Puis euh, pour que j'arrête de travailler, il fallait que j'aille voir les lumières dans la chambre de mes colocs en dessous de la porte. S'il n'y avait plus de lumière, ça voulait dire que j'étais le dernier que je, je suis celui qui travaillait le plus longtemps. Puis je pas me coucher, puis je finissais pas de travailler tant et aussi longtemps qu'il y avait de la lumière dans les chambres de mes colocs. Ça Fait que ça. Ouais. Puis à l'école, euh, oh, ouais, <laughs> il y a des fois, je partais de l'école à une heure du matin. Ah, euh, oh, c'est quand, euh, quand même débile. T'es vraiment, t'as l'esprit de compétition. Ah ouais, ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment compétitif. Puis ça, c'est. Là, je le suis moins parce que ça, euh, c'est un couteau à double tranchant. Ça va t'amener vraiment. Ça va, ça, ça va ressortir le meilleur de toi, mais ça va te sortir le pire de toi aussi. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que je ne voulais plus refaire de concours, parce que ça me joue tellement dans la tête, puis je veux tellement gagner, je veux tellement ah. performer, qu'au final, ça me joue, parce que sur scène, les fois que j'étais, euh, j'ai pas focusé mon énergie, c'est bonnes affaires. Fait que le moment où je me disais, faut que je gagne, bien, Chris, j'aurais dû le pratiquer encore trois, quatre fois de plus, le tech chez nous, pour être encore plus tête ou trouver encore plus de, de killer ». Fait que Ça me joue trop dans la tête. Puis il y a un prof qui me dit à l'école de l'humour, c'était notre prof de physique, c'était un prof de, pas de science, là, mais parce que ça n'a aucun crise de rapport qui a eu ça à l'école de l'humour. Mais euh, lui, c'était le jeu physique, c'était comment bouger avec notre corps. Euh, puis euh, oh, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est Ch Ch euh, Chouinard, en tout cas. Son nom de famille, c'est Chouinard. Ah, <laughs> yes! Euh, <laughs> puis lui, il disait genre, euh, prépare-toi, mais calisse toi en tout le temps juste un peu. Il y a comme un. Oui. C'est pour ça que tu vois les humoristes tellement devenir meilleurs avec les années. Tiens, mettons un Simon mon gouache. Il y a pas toujours eu cette prestance-là. Il y a pas toujours été fucking smooth de même, un peu à la Sébastien Maniscalco. Là. Tu sais que ouais. tout est aimé. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le... J'ai fait mes écoles. Je me connais. J'ai fait, fait le travail que j'avais à faire. Là, c'est comme... Tu viens à... Tu fais pas, il faut que je sois bon ce soir. Là, là, il faut que je sois bon. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à faire 12 shows par semaine. Si tu continues à avoir ce mindset-là, c'est un. Tu n'es pas assez préparé parce que ça, c'est de l'anxiété de faut que je sois bon, il faut que je travaille. tu sais c'est pas mauvais, mais tu ne peux pas être tout le temps de même, mais tu vas mourir à 32. Tu sais il y a un moment donné que tu settles down parce qu'il faut juste tu juste un peu. Fait que ça, ça m'avait toujours résonné en tête parce qu'à l'école, à un moment donné, je suis comme yo, je vais, je vais tomber malade. Là, tu sais. Les fins de semaine, je descendais à Ottawa un faire mon ménage, euh, mon lavage. Pis euh, j'écrivais, genre, fallait que je trouve mon autre vendredi, j'étais... j'avais genre je pensais juste, 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 à l'humour. Mais c'est correct ça. C'est correct. Pas... Mais il ouais. faut vivre. Moumou, je fais pas mal ça, je pense. Je pense trop à l'humour. Mais c'est parce que pendant que je travaille, je suis genre ah, j'aimerais tellement mieux écrire des jokes live. T'sais? Puis je le fais un petit peu sur le side. C'est juste ça que j'expliquais à. Euh... T'sais, justement, quelqu'un me demain, je retourne travailler après mon week-end. J'aimerais savoir une job que je serais content de retourner travailler. Content, où? Plus. Moi, je travaille. Je euh, petit... ben, travaille en finance pour une banque, pour une grosse banque, puis je suis agent de collection. Fait que, euh... Wow! Fait que t'appelles le monde. Ouais, ben, je, je, ouais, je suis agent de collection late stage. Fait que le monde m'appelle plus souvent que moi, je les appelle. Là, mais ouais, je vais parler avec du monde euh, qui, qui sont pas dans des situations euh, joyeuses. Ouais, ils vont assez Est-ce que c'est avec. Mais ce pas avec toi qu'ils font des ententes de paiement? Ouais. Car, ouais, c'est ça, ma jambe. Ok, ils font des ententes de paiement avec toi? Ouais, moi, je suis comme genre euh, Je suis dernière minute. Là. Si on prend un arrangement avec moi, ça se donne. Sinon. Euh, ah, c'est ça, t'es le, le last resort. là, es, euh... Ouais, euh, tu, après m'avoir parlé, si, si jamais ça marche pas, ça va être escaladé ou ce qu'il faut que ce soit escaladé. là. <laughs> ouais, c'est pas, euh, pas une job, ouais, c'est pas. Euh... Ben, tu pour enfin, donner I'm... une idée, euh, cet été, tu je travaillais le, le jour, où je travaillais, tu sais, puis je faisais ma job normale, puis le soir, je faisais des open mic. Fait que le jour, je faisais pleurer les gens, puis le soir, les faisais rire. <rire> C'est une émotion, c'est pas bien ben loin euh, le rire puis le, le, le pleurer. Mais, mais ouais, mais, mais tu vois ça, mais ça c'est bon à avoir de, de penser à faire de l'humour parce que la job est. Euh, un writer avec qui j'écris euh, puis que j'adore, Yann Bilodo, il était. Euh, tu sais, qui a écrit pour le Bye Bye, là, lui aussi, ça va bien, tu sais. Puis euh, lui, 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 il travaillait pour euh, je pense, les autoroutes, il travaillait pour la. En tout cas, le, le, il checkait les caméras d'autoroute. Puis s'il y avait okay. comme un, un problème, euh, il calait il la SQ. C'est des jobs de merde. Sauf que ça a fait en sorte que la seconde qu'il y avait, ben, il l'utilisait il, 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 il à bon escient. Il, il, voulait, il, il voulait rendre cette seconde-là euh, le, le, le plus, la plus pertinente possible parce que c'est le seul temps qu'il y avait. Fait que, là, il écrivait. Pis, euh, il a fait ses dents. Il, il était à l'école de l'humour. puis... Euh, fait que, tu sais, man, c'est parfait, là. Ouais, bien, idéal, idéalement, c'est ça. Je, je passerais à l'école de mot. Puis sinon, tu sais, je veux dire, euh, j'ai hâte qu'elle ait au point de vous Juste, le, le podcast, ça m'a donné extrêmement euh, d'assurance, d'expérience, je veux dire, des contacts, là. Tu, tu, te rends, tu te rends compte avec qui tu voudrais travailler. Puis euh, j'allais dire qui tu voudrais pas travailler, mais moins, là, à date. C'est pas mal tout le monde que je voudrais travailler. Mais, tu sais, il y a ouais. du monde vraiment que... Je sais pas, tu rencontres du monde nice, tu, euh, tu deviens à l'aise à la caméra. J'aime vraiment ça. Je suis content. Fait que, si je choisis, tant mieux. Puis sinon, ben l'année prochaine, puis il y a d'autres opportunités. T'sais. Mais ce que tu fais en ce moment avoir un podcast avant même d'être de, de, à l'école ou t'es es, es proactif, c'est parfait. là. Tu t'es lancé ça. Euh, as tu as-tu lancé ça pendant la pandémie? Tu as dit qu'on on était au 25e ou au 24e épisode, fait que tu as, as lancé ça pendant la ouais. pandémie. Oui, ben dans le fond, tantôt tu parlais de, de ton dernier show que tu as eu. Moi, en septembre, j'ai organisé dans le fond un show Pro AM là, euh, au vieux port de Montréal là, que j'avais réussi à Sold out. C'était comme mon deuxième show que je produisais. Puis j'étais sur le line-up, dans le fond. Mon but était de d'avoir une opportunité de faire un show de fin de semaine avec des plus gros sais Fait que j'avais Jeff euh, Denomé qui avait animé ça, puis euh, Joe Allen Headline, euh, Asher. Que tu connais, notre ami en commun. Euh, il était supposé être là, mais il avait une infection d'œil. Est-ce qu'il était à l'hôpital puis son œil, est-ce qu'il était en feu, Il ne pas man. venir? et tu sais, cette show-là, euh, je l'ai fait, puis c'était comme genre, je pense que c'était le 24, le 26 peut-être. C'était genre une, une C'était juste avant la fin. J'ai pu faire ce show-là, puis là, après ça, il y a eu l'annoncement que tout refermait. Là, ouais. j'ai vraiment capoté. Là. Pendant deux semaines, je filais pas bien, j'étais triste. Tu sais, J'avais écrit plein de blagues, puis là, ça commençait à bien aller. Je commençais à être à l'aise, puis là, je voulais refaire les affaires, puis je pouvais pas. Puis à un donné, ouais. je me suis juste dit « Fuck it, je vais faire le podcast. » tu sais, Au début, je l'ai parti en français. Après ça, j'étais comme « je pourrais le faire en anglais aussi. » J'ai commencé en anglais, je suis rendu à l'épisode 7. Tu sais. Puis même, j'aime ça me donner de la job, je fais un autre podcast en français que je « Review Big Brother Cibilité ». Puis, il y a un autre podcast en anglais que je review Big Brother Canada fait que saison en, quatre. De, en, en ce moment 4 mais j'ai hâte que les deux Big Brother finissent là. Mais comment parce que là tu travailles quoi du genre de 40 heures semaine Ouais, mais à partir de la maison. À partir de la maison. Ouais, mais je veux dire tu fais ah, c'est une fois semaine tes podcasts C'est tu t'es sorti euh, une fois semaine Ben les Big Brothers c'est c'est genre deux fois semaine. Fait technique quoi. Okay, parce ouais. que ta mise en ligne, ben, je ne sais pas comment je suis sur StreamYard, ben, tu as une belle plateforme quand même, puis tu fais ça en webcam. Fait que c'est pas super, si mais c'est de la mise en ligne, là, les gens. Euh, les, les gens sous-estiment euh, sous ça. Là, ça prend du temps. Puis tu tu après pis, ça. Ouais, puis écrire tes. Faire ta promo. La promo, c'est ce qui prend le plus de temps. Là, mais ben, j'ai chapeau, man. Fait que t'as pas beaucoup de temps à toi. C'est pour ça que ce matin, ouais, tu même me même dit que je vais faire. Fait... Ouais, je voulais dormir. <laughs> <laughs> ouais non j'aime ça en même temps parce que avec la pandémie c'est facile si, si tu fais pas grand chose t'sais, moi je suis tombé single genre au début début de la pandémie l'année passée puis je trouve c'est de la merde de rencontrer avec Bumble avec Tinder fait que tu sais je encore tout seul fait l'affaire c'est que si je fais pas plein podcast que je fais pas plein... parce que tu sais j'écris encore mais écrire durant la pandémie je trouve que c'est vraiment moins facile que écrire en temps normal parce que, tu sais, je sais pas toi, mais moi, en temps normal, je vais chez Cora, euh, je déjeune, puis le, le site à côté de moi, c'est un couple de Saint-Jérôme qui parle d'histoire de Saint-Jérôme, puis je reviens chez nous, puis j'ai un 7 minutes, là. T'sais? Ah ouais, ben, ça, ça revient à mon euh, à ce que je disais tantôt, de genre, yo, faut vivre, là. Il faut, faut que tu vives, là. Non, c'est ça. Pis, parce euh... c est, c est, c est... Moi, j'ai pratiquement rien écrit. Heureusement, je me suis... J ai, j ai qui m'appelle excusez il y a quelqu'un qui m'appelle le huissier c'est mes collègues ouais euh, euh, qu'est ce que je voulais dire il faut, 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 faut que tu vives puis moi je ne je vois pas écrire ça pandémie c'est pas vrai que je vais écrire ça puis euh, moi tant que j'ai pas de date de show je ne peux pas écrire dans le beurre en faisant Ah oui, je vais aller redescendre et un donné, euh, en 2024. Non, non, fuck off. J'ai encore des. Là, là je, je, je gratte mes fonds de tiroir. Là. Je me rends compte que dans mon drive, j'ai plein de numbers que finalement j'aimais, mais que j'avais comme laissé de côté. Fait que je repars avec ça. Je, je me suis. Euh, je me suis attardé sur l'écriture de Top Dogs euh, saison 2. Heureusement que ça, on, on a renouvelé. Fait que euh, je me suis occupé, mais écrire du stand-up en ce moment. Euh, Là, je suis un peu plus motivé parce que j'ai des deadlines, mais sinon. Euh... Okay. Mais parlant de ça, justement, euh, Top Dog, euh, fait dans le fond, toi, tu as fait ton école de l'humour euh, en création humoristique. Puis, ouais. Ton premier Olivier, euh, c'est en tant qu'auteur. T'en penses quoi de ça? Est-ce que est, ouais. c est, c est tu ironique? -tu, c est, c est, ça arrive souvent dans. Est-ce que, est que ça es... Est-ce que tu aurais aimé ça que ça aurait... t es, t es tu content que ce soit ça ton premier olivier? Moi, je suis vraiment content. Moi, écoute, là, moi, euh, moi j'aime juste créer. Tu sais, tu me demandes dans la vie, je suis quoi Je vais. Ah, oh, je suis humoriste, entre autres. Mais tu sais, il faut que je dise, je suis humoriste parce que c'est avec ça que je fais, mettons, ma, 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 ma plus grosse partie, euh, mettons, de, de revenus dans l'année. Fait que je vais marquer humoriste, sauf que moi, j'adore créer. J'adore. Euh, j'avais un projet, c'est juste que je, je suis TDA. Fait que je porte des affaires puis je les oublie. J'oublie, ah oh, oui, si j'avais ce projet-là, je retrouve un vieux post-it. Mais là, je voulais faire. Oui, oui, enfin. on lit tous un peu, puis c'est un super beau moteur. C'est pour ça que tu as quatre podcasts d'ailleurs. Mais ouais. j'aime créer des dessins, j'aime euh, euh, écrire, puis j'ai toujours aimé les web-séries. Euh, j'ai toujours aimé avoir. J'ai ai, ai, l'impression que c'est peut-être une de mes forces d'avoir des idées originales, des idées, des univers. Euh, fait que le Top Dog, j'avais déjà l'idée en tête, je allé voir Cozy et que je connaissais bien avec euh, les prodiges euh, qu'on avait tourné comme juste euh, un an avant, genre. Fait que, mais, mais est-ce que ça me fait de quoi que. que parce que moi, j'ai jamais été. Euh, c'était pas ma force, moi, l'écriture. Puis ça l'est encore okay. pas à ce, à ce jour. Comme je, je pense que je suis capable de trouver des bons gars, mais j'ai travaillé excessivement fort là-dessus parce que moi, ma force, ça a toujours été le jeu. Ça a toujours été le, euh, ma, 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 le côté performance de mes numbers. Ça, là-dessus, euh, j'avais pas de problème. L'écriture, des fois, c'était un, un peu plus difficile. Fait que je vois ça en encore plus flatteur. Mais tu sais, je n'ai pas écrit Top Dogs tout seul. J'ai Audrey Rousseau qui a ouais, travaillé extrêmement quoi, fort. Pense, hein? ouais, Guillaume Lasselle aussi. Euh, fait que, mais là, la saison 2, là, on était vraiment deux. Puis Yannick, Yannick est venu comme script édité. Yannick okay. est venu repasser en arrière en faisant « Ah, oh, good job. Ah, oh, je mettrais peut-être un gag là. » Yannick, il rachetait comme son, son propre gag. Mais c'est pas d'hier que j'écris des web-séries. Tu sais, à l'école de l'humour, tu as, un, as un, un, un cours qui s'appelle « Nouveaux médias » parce que j'étais en 2010 ou en, en 2012. Je suis allé à l'école de 2010 à 2012 puis le web commençait à popper là. Tu avais contre gars euh, tu as Lib TV qui a, qui, a, qui a fait son apparition puis tu comme une émission avec François Bellefeuille puis euh, Simon Leblanc. Euh, ouais Tu okay, as commencé en 2010. J'ai une petite Parallée, tu faisais ça, tu Open mic au début que tu as déménagé. Euh... Ben, il n'y avait, avait pas vraiment d'Open mic. Dans... C'est nouveau les Open mic. il avait T'as le... jamais fait le, le repère à Laval, là, genre en 2010. C'était où le repère? Ça s'appelle le repère? C'est un bar? Oui, c'était un ancien bord de, de moteur sur curé Ça se peut. Des Parce... bords de moteur, je n'ai fait, là. Parce que y a de, c'était vraiment euh, basic, si tu veux, Tu t'as des gros noms comme... Euh... Simon Delille et Yannick de Martineau, là, je le sais, moi j'étais promoteur pour ça, puis ils étaient payés 3 bières pour aller faire leur recette. Waouh! J'en ai fait des places de même, mais je Il sais pas. Il y avait du jerk si... chicken. Il y avait du jerk chicken gratuit. Mmh, ça ne me dit rien. <laughs> mais ça, c'est fucked <laughs> up. J'en ai fait des, des shows de même, tu sais, mais euh, quand on était à l'école, moi j'étais encore à l'époque où on n'avait pas le droit de sortir de l'école aller et... faire des shows. qu'on le faisait un peu comme Sneaky. Oh, moi, vous avez quand, le droit. Moi, j'ai pratiquement pas fait de show pendant que j'étais à l'école. Puis quand la tournée est arrivée, j'ai fait fuck off. Moi, c'est pas vrai que je vais aller en tournée puis que les seuls, mes seuls redages étaient devant ma classe. Fait que j'étais parmi les rares qu on, qu on, que comme je suis allé jouer euh, genre à Saint-Jérôme, un peu sneaky. Puis, okay. euh, Louise elle su, Puis elle a fait comme Ah, t'es pas censé faire ça. Bref, <laughs> ça pour dire qu'il y avait un, un, un cours nouveau média. Puis il fallait okay. écrire une idée de web-série. Puis après ça, on le présentait à l'école devant des producteurs. Puis c'était dans le cadre d'un cours, sauf que c'était un vrai pitch. Parce que les producteurs, après, pouvaient écrire un courriel ou faire Moi, je veux cette idée-là. Puis moi, j'ai signé mon idée. J'ai été euh, avec euh, la presse télé, qui est maintenant Attraction image Puis on a tourné des pilotes quand je suis sorti de l'école. Fait que c'est devenu comme non. une prod. J'avais une vraie prod là, en sortant de l'école. Je venais d'avoir 21. Puis ils ont été à Cannes, en France. Ils ont été pitchés ça. C'est <laughs> ça? Ils ont été pitchés ça euh, au Mipcom. Euh, C'est le même endroit où euh, LOL a été vendu. Wow! Hey, je vais en profiter pour Brag, parce que je ne le, le fais pas souvent. Moi, j'ai chillé à Cannes, quand même, souvent. Dans ah, le festival? Brag, non, pas au festival. J'étais comme. Je me suis poussé comme. Euh, moi, j'ai habité dans le sud de la France durant six mois. J'habitais dans wow. les Alpes. J'étais comme à 1h30 de Nice. Puis des fois, je descendais, je prenais le bus, j'allais à Nice. Puis, euh, j'avais des amis euh, à Nice, puis à Cannes. J'ai fréquenté une fille wow. qui habitait à Cannes. Qui habitait dans. By, by the way, je... un appartement à Cannes, c'est un million. Fait que dire qu'habiter dans une maison à un million, ça veut rien dire. Là. Mais Monaco aussi, j'ai là » puis c'est. C'est tellement beau, man. Ouais. Ça, j'avais Qu'est-ce okay. Qu que je faisais là-bas? Ouais. J'ai voyé. OK, qu'est-ce que je faisais là-bas? À un moment donné, j'ai ouvert le journal de Montréal. Puis, il y avait une annonce qui disait. On recherche du monde, genre, pour travailler dans les Alpes, dans des magasins de Snow. Moi, j'ai travaillé dans le magasins de Snow toute ma vie, puis j'étais comme, dream. Fait que j'ai répondu l'annonce, j'étais allé rencontrer un gars dans un Tim Horton à Montréal, si. Il m'a fait une interview, puis il était comme, do you speak English? Puis j'étais comme, yes, I do, but... mais je parlais fuck all anglais. Puis il m'a genre dit, ah oh ouais, as un bon anglais, cool. Puis, euh, cool, on va t'envoyer un email. Fait j'étais comme, OK. Deux semaines plus tard, il dit Ah, blablabla, t'es choisi, faut juste que tu fasses ton visa de vacances, puis là, t'as un job, une station, ça s'appelle Isola 2000, t'es payé 1000 euros par mois, l'appartement inclus, blablabla, bla, tout le kit, billet d'avion, fais tes shit là Je te dis voyons donc, puis ça s'est donné. On était genre 18 Québécois en tout, répartis dans genre 5 ou 6 stations. Puis dans notre gang, à nous, on était quatre Québécois à Isola, pis. Il y a quatre Québécois en France. Tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça donne. Premièrement... À 18 il... ans? Ah ouais, à 18 ans. Là-bas, l'alcool coule à la flot. C'est la cité de l'apéro. Je veux dire... Euh... Puis, moi, j'étais le plus jeune de la gang. Là, mais le monde avec qui j'étais, il y avait du monde de 25, 28. Puis... Ah, C'est le, le meilleur six mois de ma vie. C'était magique. Mais, mais pourquoi, ils ont, ils ont, pourquoi ils ont recruté au Québec? Pourquoi ils n'ont pas juste engagé du monde de la bas parce que vous deviez parler anglais? J'imagine, imagine. en France, il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de, de Français qui parlent anglais, Puis quand ils parlent anglais, c'est de l'estime ouais, de marde. Désolé s'il y a des Français qui écoutent dans le chat. Là, mais mais là, so ben anyway, pas... ils ne me comprennent pas. <laughs> puis là, tu jouais, tu travaillais dans un Pro Shop, genre? Ben, dans le fond, c'était un magasin de location, de ski puis de snow. Puis aussi, je vendais genre euh, du linge de snow, des, des lunettes de snow, des affaires de même. Euh, c'était vraiment relax pour vrai. Là. C'était-tu le fun? Ouais, c'était malade. C'était fou. Non, ah, c'était fou, c'était fou, fou, fou. Genre, la station ce que j'habite, ça s'appelle Isola 2000 parce que c'est à 2000 mètres d'altitude. Genre, il y, y a une autre ville qui s'appelle juste Isola, genre. Ça, c'est Isola Village. Wow, Après, okay. ça, tu montes, là, tu montes, tu montes dans une route là, que, genre, ça fait ça, 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 puis il y a des ravins. Là, ça, ça, ça. ça t'as pas aidé comment accéder. là. Puis, genre, dis-toi pour donner une idée, il y avait un télésiège que je montais en haut. Puis mi-chemin, ton, ton téléphone, genre, il sonnait là, pis ça disait Bienvenue en Italie, voici les frais pour texter là, là. Puis en haut, c'était cette montagne-là, derrière toi, là, tu voyais les bunkers de la guerre mondiale. Wow! Ouais, straight puis, up. Pis ton appartement, cétait genre un lavabo dans ton four, là, tu sais, dans le sens, c'était-tu comme un 1? Oh man. Mon appartement, c'est un studio qu'on partage à deux. Oh. Puis. Um, c'est un A-frame, là. Fait que je veux dire la partie où qu'on a nos lits, là, je veux dire, euh, tu sais, un toit là, par-dessus nous, là, je veux dire comme. Il n'y a pas beaucoup. Dans l'appartement, mettons que l'appartement, on va dire que c'est du 30 pieds, whatever. Il ben, y a 10 pieds que tu peux être debout dedans. on de wow. tête 2. là-dedans, on avait un genre de mini-four. si on est deux, puis tu sais, moi j'ai 18, lui il a 21. C'est l'âge qu'on est supposé. Euh, vouloir rencontrer des gens, inviter du monde. Là. Fait que, tu sais, euh, les histoires, c'était vraiment comme... Fallait que je dise Hey, man, ça euh, te dérange-tu? » t'avais les deux autres gars qui étaient à l'appartement juste à côté. Fait que si on voulait avoir l'intimité, fallait qu'on dise à l'autre, « Hey, veux-tu juste aller euh, tu faire l quelque chose? » L'autre bord, « Va écouter une émission de TV française pas bonne traduite. »« Va l'écouter forte. Va lever le son, l'autre bord. » Ouais, mais c'était vraiment cool parce que, j'habitais dans le sud de la France, puis... Justement, t'as Monaco, t'as Cannes, t'as Nice, fait que j'ai rencontré plein de monde qui venait genre de, de monarchie. J'ai rencontré pour vrai des, des filles super cool que c'était genre des, des princesses quasiment dans leur famille. Là. Plein de monde méga oh, riche. Ouais, c'était drôle. Du monde que. J'ai du monde dans ma, dans, dans ma friendlist Facebook que j'ai rencontré là-bas qui habite genre maintenant à Dubaï pis tout. Puis ils conduisent des Ferrari. <laughs> Ouais, Dubaï, on dirait que ça va. C'est ça. Tu peux pas être à Dubaï puis conduire une tercelle vers forêt. Là. Ouais, c'est Dubaï, Si que... t'es à Dubaï, il faut que tu fasses du cash là. T'as pas le choix. <laughs> si tu fais pas de cash à Dubaï, c'est que tu, tu, tu fais crissement pas une bonne job. Mais c'est vrai. Mais Chris, je me sens emballé j'ai parlé de Cannes, puis j'ai voulu brag. Fait que là, ça vire en moi qui fait un méga brag, mais on va retourner à, à Top Dog. <laughs> fait, euh, fait que dans le fond, tu me disais, dans le fond. Euh... C'est quoi ta série qui a été choisie euh, pour Cannes? C'est pas ta ben, ben Non, non, c'est une série, même. Moi, j'ai ah, tout, été... ouais, tout le temps été fan de Mr. Bean. Fait que j'ai fait, hey, j'aimerais ça, écrire de quoi euh, sans parole, qui peut être vendu euh, partout dans le monde. Ça s'appelait première fois. Puis c'était un doute que c'était comme un ovni là, qui sortait de chez lui à, à 21 ans, justement, mais on ne sait pas pourquoi, mais c'était comme un Mr. Bean. Il ne savait pas trop comment les choses fonctionnent. Puis euh, okay. ils ont essayé de le vendre, ça n'a pas fonctionné. Mais après ça, j'ai continué à ce que j'ai fait des pitchs, puis que finalement, tu sais, j'ai arrêté genre, à, je faisais des photoshoots puis j'arrêtais à 95% du pitch. Euh, je, puis là, je partais sur une autre idée. Pas jamais plus cette idée-là. Finalement, hey, je pense j'ai écrit, je ne sais pas combien d'idées de, de web-série. Puis là, finalement à un moment donné, j'ai fait ok le fuck off. Là, j'arrive à un âge où fait ta job comme du monde de A à Z. Puis là, ils ont capoté sur l'idée. Mais ça a comme, comme stagné à un moment donné. Là, j'écrivais à Cozy, euh, je suis comme hey, euh, on le fait dessus, on le fait pas. Ouais, euh, là, il hésite à un projet ou lui. C'était okay. comme, là, j'ai fait les gars, là, comme, il a fait, ok, on le fait, let's go. Là, depuis ce temps-là, on a, on a mis un pédale à 100 dans, dans, dans le fond, puis euh, ça n'a jamais arrêté. Ouais. C'était tough mais c'est le fun. C'est, by the way, uh, Top Dog, c'est fucking bon. Uh, we'll, we'll hey, je je, je, je l'ai écouté pour la première fois samedi. Tu l'avais pas écouté avant? T'es sérieux? Waouh C'était bon! <laughs> c'est fucking bon! Moi, tu sais, je veux dire. Moi, je suis un gros fan de téléséries, de, télé de films, whatever, de web séries. Là, j'adore tout ce qui se regarde. Pis, euh, moi, j'ai l'imagination beaucoup, puis j'aimerais ça en faire Comme moi, quand j'étais jeune, quand je disais que je voulais faire de l'humour, moi je pensais que si tu voulais faire de l'humour, tu pouvais comme aller à l'école de l'eau, puis tu pouvais écrire pour South Park, là. Mais c'est pas. J'avais 15 ans puis je cachais pas que c'était traduit mais c'est pas grave là. Oh. mais, mais tu sais moi, moi j'aimerais vraiment écrire des, des web-séries il y a une web-série que moi j'ai trippé dessus j'ai toujours j'ai été mauvais avec les les films québécois les séries québécoises puis tout ce qui est matériel québécois dans les cinq dernières années parce que moi j'ai habité dans l'Ouest canadien après la France j'étais dans l'Ouest canadien durant trois ans tu sais puis je sortais avec une, une ontarienne c'est comme si j'aurais Renier que j'étais québécois, j'écoutais tout en anglais, whatever. Là. Mon père vient de la BTB, il serait triste d'entendre ça, mais whatever. Là, je sais qu'au Québec, on a du bon stock, mais j'écoutais rien, rien, rien en français. Maintenant, moi, j'écoutais série noire. Ouais. Puis... Hey, T'as commencé par une Christie de bonne série, là? Tabarouette, hein? C'est exceptionnel. Puis en écoutant Top ouais. Dog, il y a des petits gags, des petits, des petits affaires absurdes. Qui me faisait penser un petit peu à Série Noire. J'étais comme « Ah, Chris? Je me demande euh, si c'est pas inspiré un petit peu. Tu sais, comme mettons euh, le, le genre de, de maf... Ben, Ouais, ben non, c'est ça. Je peux en parler, c'est pas spoiler, mais tu sais, elle un genre de réseau de contre-monde, si tu veux, de sirop d'érable. Là, ça me faisait penser style euh, un peu ouais. style genre la, la, la mafia gay de Le de East gay Gang. Ouais, exact. Le East gay Gang, ouais, ben moi, c'est ça que j'ai. Je... Ce que j'aime, c'est la ligne aussi que tu peux retrouver justement dans la série noire de, 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 de quoi de crisme absurde qui rejoint de quoi de très dangereux. Et tu fais, attends un peu, mais ce mélange-là, c'est peu, c'est ça le pire. Il y a de la contrebande de sirop d'érable, il y a sûrement un East Gay Gang. Un peu moins gonflé, mais reste que, tu sais, Tarantino, euh, il en a fait une carrière de gonfler des choses, puis de faire aussi des dissociations des mm -hmm. qui se peuvent pas. De serait-ce que de mettre une toune qui ne calissement pas d'affaires avec le, le visuel. Tu sais, c'est fou, raide, là, tu sais. Fait que, euh, non, j'aime bien ça, le mix and match. Puis euh, euh, c'est sûr que Siri Noir, j'ai eu une. Euh, ça m'a ça, ça, ça quand même allumé. Euh, sur certains trucs. Fait que euh, oui, oui il, y a, il y a des petits clins d'œil à ça. Puis, mais je suis content que t'en parles parce qu'en l'écoutant, j'ai fait Oh shit! C'est exactement ça que je voulais que ça donne comme vibe. Puis c'est sûr et certain que les petits côtés, euh, euh, les, le petit côté gore aussi à la Tarantino, euh, moi je, je suis bien fier de ça. Là. Ouais, ben j'ai aimé ça voir. Euh, ben là, c'est pas, euh, pas méchant contre Pepper, mais j'ai aimé ça voir la tête coupée de Pepper dans ça. <laughs> je sais quoi comme, je l'ai vu, j'étais comme, tabarnak, c'est-tu Pepper? Puis là, tu le vois en personnage, que by the way, c'est pis ça. L'idée, c'est-tu ton idée, ça? Est-ce ben, que c'était une bonne idée? Ben, le, son personnage à lui. Que, euh, oh my god, genre. Mais ben le, le, le avec YouTuber. Ouais. Je, je, je pense qu'on qu l'avait trouvé en brainstorm à la gang. Euh, mais euh, je, je, en tout cas, je voulais que Pepper joue un rôle, puis c'est finalement, c'est ce rôle-là qu'il a joué. Mais je pense qu'on l'avait trouvé en gang. C'est que c'est bon, man. Ouais, c'est bon. C'est gore, comme tu dis, c'est saignant. Qu'est-ce qui est nice, c'est que le, le concept des web-séries, c'est que c'est des petits épisodes courts. Cool, fait qu'on parle du 8 minutes, du 12 minutes, ça s'écoute bien. Ouais, ben c ça s'écoute bien, mais c'est ça. ça. Tu en, en plus, on le mis tout d'une shot. Fait que tu l'écoutes d'une shot, c'est comme un petit film. T'sais, tu l'écoutes, euh, c'est comme un petit film avec. Euh, huit avertissements de. C'est pour un public de 8 ans et plus, là. Ça, c'est chiant, mais. <laughs> ça fait. Puis là, cette année, je pense qu'on va être un peu plus long dans les épisodes. Je pense qu'on On est plus dans les autres du 12 minutes que du nice. 10. Fait que. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte. La deuxième saison va être encore plus drôle. Ouais, j'ai Comme... vraiment hâte euh, de, de savoir. Ben. J'ai hâte de voir ça. J'ai, si on a parlé, genre on a un ami en commun qui va être, euh, qui va être dessus là, fait que ouais, euh, ouais j'ai j'ai hâte de voir ça. Ah, puis euh, justement, qu'est-ce que je, ouais, je ah, ah, ça, ben ça, ça si pouvait le dire. Ah, Asher ouais. il va être content qu'on parle de lui. Asher euh, qui, qui fait du stand-up aussi, euh, allez, allez voir ses trucs puis tout. Euh, Ash the One sur Instagram, c'est le chef des sécurité euh, des anticipateurs. Chef sécurité des anticipateurs. Ouais. Là, euh, je te vois puis comme tu bugs un peu à L'image, mais au son, t'es parfait, mais on dirait que ton, ton Wi-Fi rush un peu. là. Ouais, moi aussi, j'avais la même là, J'ai l'impression que c'est un petit peu back. Euh, on, va, on, on va y aller, je t'entends bien. On va continuer comme ça. Mais oui, on est proche du 1h. Si tu veux, dans comme genre, je pense, 5-10 minutes, on est tend à 1 heure, 1 je, je te donnerai un petit Q. Parfait. Puis, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Tu aimerais ça amener. Euh, aller carrément là, vers euh, des, des, des séries télé comme un format plus euh, 20-30 minutes versus la web série, tu sais. c'est dans ta tête un, un but. C'est mon rêve en fait. Euh, ça, autant, euh, si tu me demandes, est-ce que tu préférerais avoir un one-man show qui roule, puis avoir une, une série télé le, le, dans laquelle tu joues, ou, tu, ou du moins t'écris, moi c'est sûr que j'aimerais ça écrire, puis jouer. Tu sais, même co-réalisé un peu, tu j'avais un peu mon mot à dire dans la première série, là, mais Pierre-Luc Miville, c'est un asti de bon réalisateur, là. C'était sa première web-série, puis je l'ai épaulé un peu là-dedans, mais j'aime tellement ça. Mais tu sais, je n'ai pas étudié là-dedans, mais bref, tu me demandes de choisir, cho je voudrais faire les deux. Mais... Ok j'irai vers la télé, tu me dis comme Ah, oh, faut que tu en choisisses un. J'irai vers la télé, je ferais, je ferais ce projet-là. Puis après ça, je ferais comme OK. Je l'ai vécu. Il va peut-être avoir une saison 2. Là, je vais me concentrer sur mon one-man show. Mais moi, le one-man show, c'est pas euh, c'est pas l'apogée de tout, moi, là. là. C'est une chose parmi tant d'autres. J'aime ça me promener, mais j'ai comme l'impression que quand je vais avoir une famille, ça va peut-être être chiant. Au moins, un plateau de tournage, tu as, ouais. as la feuille qui te dit à quelle heure ça finit, tu sais. Ouais, c'est nice Il y a quoi J'aime ça, j'ai un côté cartésien un peu. Tandis que la vie de tournée, ben on dirait que je fais ça depuis dix ans, veux pas faire des shows moins intenses qu'une tournée, mais je vois, j'ai été à Rivière-du-Loup, j'ai fait des allers-retours à Québec, j'ai été faire des rodages à tremblant revenir le lendemain. Fait que je me demande comment j'aime peut-être mieux ça rester chez nous et écrire. ouais mais c'est différent ouais euh, c'est c'est pas la même chose mais en même temps je veux dire moi j'ai regardé la, la série puis euh, qu'est-ce qui est nice c'est qu'il y a beaucoup de liberté quand même dans ce que vous faites là tu sais il y a, il y a beaucoup de gags euh, beaucoup de next level puis en plus euh, cette série là je veux dire waouh il y a des gros noms là. quand même là tu sais je veux dire euh, Catherine Levac, Yannick de Martineau, euh, je me rappelle pas de son nom mais le gars des pubs IW. W <laughs> Ça, j'étais content. Ça, j'étais comme, yo, il faut faire une affaire avec le gars des pubs de AEW. Puis, il faut que, comme, le boss, il parle avec un burger en faisant. Tu sais, des, des, des genres de Easter egg, là, des petits, comme, juste des petits. C'est ça, fais... ça qui m'a fait tripper. Moi, c'est ça qui m'a fait tripper parce que, genre, tu vois que c'est un humoriste qui a pensé à ça. C'est quelqu'un, il a eu le dé, il était comme, ah, c'est bon. Puis, ils ont réussi à le crisser là-dedans. Puis, c'était un crise de gros clin d'œil. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est qu'il y a plein de monde qui vont l'écouter, puis sont... ils vont pas le voir. C'est comme dans les film pour enfants. il y a plein de jokes ouais, et qui ouais. t'es vois pas. Ouais. tu comme la, la plus, la plus populaire, c'est celle-là. Moi, j'ai jamais écouté des films Marvel, mais la meuf, il y a le super héros Flash il se fait dire par l'autre fille. Euh, il dit ah, c'est le gars Flash, il dit ah, je suis l'homme le plus vite au monde. Puis l'autre, la fille super héros a dit à Flash, ouais, c'est pour ça. That's why you're not able to date women tu sais quand t'es un kid tu comprends pas là non mais ben tu regardes plus tard t'es comme voir qu'il y avait une joke des éjaculations précoce là-dedans là. puis Deadpool c'est aussi man, Deadpool il y a des gros gags à un moment donné je pense il y a un gag il y, y a une joke d'anal puis tu fais comme oh j'écoute ça avec ma fille elle, what <laughs> puis il y a mais le, le, le plus gros film où ce qu'il y a des des Easter eggs mais plus des Easter eggs vraiment Easter eggs comme wow j'avais pas vu ça c'est euh, euh, Ready Player One là je sais pas si t'as vu ça Ready Player One non, c'est-tu malade? C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je ne suis pas un gars de science-fiction, là, mais là, ça, c'est un sci-fi fou. C'est vraiment bon. Euh, Puis, même dans, dans l'histoire de jouets, euh, l'adresse, genre. Euh, genre Pixar, man, ils mettent, ils mettent du Easter à côté. Là, genre l'adresse de la maison de Andy, c'est genre le, le, le chiffre du studio où ils ont développé Toy Story. Le voisin. Euh, le, plus tard dans un autre film il y a un vieux, ah oh oui c'est dans Toy Story 2 le gars qui vient réparer Woody c'est le gars dans Pixar quand ils ont fait un court métrage sur un, un vieux qui, zo, qui joue aux échecs oh tu my fais, oh god oui, c'est tellement clever, puis genre le voisin euh, puis tu, sais-tu pourquoi ils ont mis il faudrait que tu mettes une photo, là, je sais pas si tu peux faire du montage mais c'est le, te souviens-tu du voisin qui maltraitait ses jouets Sid ah, oui! Oui. Il y avait une tête d'araignée, il y avait une tête de bébé avec des pattes ouais, je rappelle de totalement. Ouais. Puis, il y avait un crochet avec des pattes de femme de Barbie. Des jambes de femme de Barbie. Mais c'était un crochet. Sais-tu ce que ça ouais. représentait, ça? Non. Ça disait she's, comme il faisait une joke de she's a hooker. Oh God. Là, j'ai vu ça, j'ai vu ça récemment. J'ai fait Holy wow! Oh wow. C'est quand même débile. J'aime ouais, 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 ça, ces genres d'affaires-là, non dites. Après, ça, te rend, ça te rend heureux, genre? Ouais, vraiment. Comme là, quand j'ai écouté le dernier épisode samedi, et qu'on révèle tout dans le diner. Allez écouter Top Dogs, là, si, 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 si vous ne l'avez pas écouté, vous allez comprendre. Puis que tout fit comme genre, on cherchait les... Et là, tu vois comme tous les éléments, genre vous, vous. Puis qu'en arrière, tu voyais des carabines que tu ne voyais pas. Moi, ça... J'étais content que ça sorte parce que je ne l'avais pas vu à l'écran. Puis c'est ça que j'avais en tête. Puis c'est ça qu'on a travaillé ensemble. J'étais super content. Non, c'était fucking bon. Puis tu sais, moi, je l'ai regardé. J'avais déjà regardé Vleur voilà, Boot. Mais là, je l'ai re regardé récemment, tu sais, en sachant qu'il y avait une saison 2 qui s'en venait. Puis euh, vraiment, là, tu sais, comme la, de la manière que ça termine, tu t'imagines qu ce qui va se passer à la saison 2. Puis tu es comme, ah, c'est que ça va être hot? Ah, » puis aussi par là de, de gros, 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 gros noms qui sont dans le, dans le show. Euh, je me rappelle pas de son nom, puis je, je trouve ça vraiment pas, je me rappelle pas son nom, mais vous avez l'acteur qui jouait dans euh, euh, Romano Fafare, là. Euh, ah, ben, Bob avec Cheveux, Didier, ouais. euh, Didier Lucien. Oh my God, c'était comment euh, filmer avec lui? Parce que tu sais, je veux dire, on a à peu près le même âge, je pense que tu as environ 31 ans. Là, je viens d'avoir 30. Tu viens d'avoir ouais, 30. Ouais. Que, je veux dire, toi aussi, tu as grandi en regardant le Romano Fafar. Non, non tu viens d'Ottawa. Ah, non, mais moi, je, moi, je viens d'Ottawa, Ma mère est québécoise. On, on, j'ai été okay, élevé avec. Franco, la... euh, moi, je suis francophone. T'as rien. J'ai été élevé avec la télé québécoise. Puis euh, j'écoutais. Euh, j'ai Bulldog Bazar. Euh, euh, j'écoutais le, le, le dans de chez vous. vous. Ouais. Fait que nous autres, j'ai reçu France, euh, la fille de, de Bulldog Bazar. Okay. Puis j'ai reçu. T'écoutais-tu Bulldog Bazar, toi? Ça non. Oh, Amen. Steph. F... Que... Puis j'ai reçu euh, Didier Lucien. Les deux, là, ça m'a fait un... Il manquait juste Jean-Loup euh, de Radio Enfer. Il manquait... Euh, je sais pas c'est quoi son nom. cest Benoît Charrette? Michel Charrette, en tout cas. Je sais pas c'est quoi son débile, nom. débile, mais j'imagine, vu qu'il y a déjà un rôle d'inspecteur dans le District 31, ça aurait fucké la patente. T'as ben... bandit. C'est ça que j'aurais ref... Moi j'aime bien ça, faire des anticastes, comme euh, Asher ouais. il va jouer quelque chose qu'on s'attend pas. Euh, Asher il va être drôle. Ah c'est hâte, hein? c'est hot Chris. Qui, euh, sais, ça m'excite. Il tue quelqu'un, mettons. Asher il tue quelqu'un. Que, oh! mais ben, que... ça, ça dans la vraie vie, genre c est, c est, c est, je serais pas étonné, il s'est amené dans 15 ans, je lis qu'Asher a tué quelqu'un <laughs> dans la vraie vie. Ouais. Il y a la mèche courte. Pour pas faire un jeu de mots, mais il y a la mèche courte en Esti. Pour vrai, il, il est prime. Mais euh, bref, mais jouer avec ces gens-là, j'ai capoté. Puis euh, Didi Lucien, euh, hyper généreux, il est drôle. Puis à la lecture, là, quand, comment ça fonctionne, c'est juste avant de tourner, on, on, on vient avec tout, tous les acteurs, puis on fait du travail de table. Euh, on fait une lecture de table. avec on lit les textes pour la première fois avec les intentions, puis voir un peu comment ça, 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 ça s'entend dans la bouche à, Lucie, à, Di, à Didier, puis, Didier, man, il a de A à Z là. il était plus comme à un donné, il était plus capable de respirer, puis Yannick, Yannick, puis on se regardait, on fait comme c'est pas tant drôle que ça, puis, mais ça nous a remonté le on fait comme Colin, peut-être es que notre série est drôle finalement, genre parce à un moment donné tu viens que tu travailles tellement les textes que tu vois plus les jokes, puis, euh, mais là euh, scoop euh, dans la deuxième saison il est remplacé. Oh non! Parce qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ah, oh, fuck! Mais, c'est fucking drôle. Puis, euh, on a... Je dis pas dans quoi qui joue, mais on reçoit Tony Conte. cest sais qui, Tony Conte? Ça me Lui, dit rien. Lui, c'est un ancien... Ben, c'est encore un comédien, mais euh, eu, il a eu euh, fait de la prison. OK. Parce qu'il a été pogné avec, euh, pour contrebande de Coke avec la mafia. Ah, c'est que je trouve ça des histoires de même. Puis, écoute, c'était un, un comédien que j'adore. Je savais même pas cette histoire-là. Je l'ai su par après. Puis il a joué dans, dans Urgence, Yo, c'était un de comédien. Ben, ta on l'a dans saison 2. Puis, ça fit un peu avec l'histoire. En tout cas, moi, je suis content. Là. Pour ceux qui savent cette histoire-là, ils vont faire encore plus tabarnak. Je vais aller la checker, euh, moi, tantôt, là, en terminant. Pour oh, vrai, oui. euh, va ouais, goûter ça, man. Ben, tu m... ben, tu sais, pour vrai, je tripais euh, beaucoup sur, sur ta web-série. Puis là, juste m'en parler avec toi, ça me rend... <laughs> J'ai vraiment hâte que ça sorte. Ça m'excite. Puis, tu sais, euh, on, on parlait des easter eggs, puis tout, puis ça va être... Tu sais, on va terminer ça bientôt. Là. Je suis en train de checker le temps, mais... Pas de très, tout... pas de stress. Ton historique préféré là, tout ça serait Quel moi, moi je vais parler du mien en premier. Est-ce que tu es un fan de The Office toi J'ai jamais écouté The Office. Oh my god. Oh god, c'est comme... j'ai jamais écouté Bulldog Bazaar. Ouais, mais ah mais oh, OK, fait que tu chanceux. J'aimerais ça jamais avoir écouté The Office. C'est comme si genre j'aurais jamais eu de sexe. Je serais vraiment excité de le faire. Wow! OK bah ben, je vais écouter The Office d'abord. C est, c est le meilleur, moi, moi, je trouve que c'est le meilleur show qui existe. C'est juste que la fin qui est tough de faire, c'est il faut que tu passes à travers la saison 1, parce qu'au début, c'est vraiment cringy. Puis Steve Carroll, dans saison 1, son personnage, genre, il est vraiment pas attachant. Faut... c'est un show qui est cringe. C'est un show que c'est le, le roi des malaises, whatever. Mais qu'est-ce qui est fou avec ce show-là, c'est que dans le fond, tu il y a un The Office au UK. Je sais pas si t'es au courant. Non, je savais pas. Ben, tu connais Ricky, G Ricky ah, oui, Gervais? ah oui Ricky Gervais ouais, ben, ben, okay, fait que oui ça vient de ça ok ouais. ben, c'est ça The ouais, Office ouais, ouais, ça, ouais, ouais. Ça, à base c'est avec Ricky Gervais euh, au UK puis là ils l'ont fait ils ont fait l'adaptation aux au States mais moi mon mon Easter Egg préféré c'est euh, à un moment donné euh, <laughs> Michael il descend genre dans les corridors genre du building où ce qu'il travaille tu sais puis, Ricky Gervais, il est, il est là, Puis, Michael, il, il dit, hey, euh, je lance ma job, tu sais, whatever, Puis, il, il dit à Ricky Gervais, genre, tu serais pas intéressé? Puis, Ricky Gervais, il est comme, non, not, not my kind of thing, non, non, non. Puis, genre, mais c'est juste épique, t'sais. là, tu connais pas les deux shows, fait que c'est pas tant épique quand je te le dis, mais moi, je regardais ça puis je pleurais, genre, tu sais. Fait que si t'es wow. capable, si un show est capable de me faire ça, tu sais, je veux dire, des shows qui me font pleurer, si je trouve ça malade, euh, Cyril Noir m'a fait pleurer. C'est comme ça que je t'aime, m'a fait pleurer. C'est ben malade. C'est comme ça que je t'aime. Il est arrivé, genre, il est au top de sa game. là. » Ouais, hein? A... C'est pas la même chose que Cyril Noir, mais je... c'est encore meilleur dans ce style-là. Fait que c'est pas vraiment comparable à Cyril Noir, mais c'est. Bien évidemment, il y a la même plume, là, mais en tout cas, moi, j'ai c'était fou, raide, ça. C'était fou, fou, raide. c'est parce que le côté nostalgique, tu sais, je veux dire, ouais. euh, moi, tu sais, nous, nous, on est né, toi, t'es né, dans le fond, au début, début des années 90. Ouais. Puis moi, moi je suis né en 92. Puis, tu sais, on n'a pas vécu tant que ça dans, dans l'ancien temps, mais quand même, puis juste de voir ça, tu vois, je, ah, je trouve ça hot. Pour vrai. C est, c est comme, il y, y, y a une partie de. Il y a une grosse partie de notre enfance puis une petite partie de notre adolescence qu'on n'avait pas, pas de sel. Moi, j'ai vu Facebook arriver à j'avais 13 ans. Ouais, non. Moi, j'ai eu mon pro premier profil Facebook, j'avais à peu près cet temps Je trouve qu'on est une génération chanceuse. Parce que la génération qui est venue après nous, ils ont juste, Ils sont nés. Hey, c'est les kids qui sont nés avec des iPads à, des mains à 4 ans. Tu sais. euh, moi, pour vrai, à moi, j'ai okay. commencé comme jeune, là, je faisais du vélo, je partais avec mes amis avec des pelles, on allait se construire des jumps dans les bois. Euh, puis là, je suis retourné vivre chez ma mère là, de, depuis le confinement. Tu sais, J'habite dans la même ville que quand j'étais petit. Puis Toutes les endroits où j'ai construit des jumps quand j'étais petit cul, c'est des condos. Euh, tu ah, peux plus faire ça. Tu as été où, toi, tu habites où? En ce moment, je suis okay, ouais, euh, ah, ouais, à Blainville. Ok, c'est Blainville. Je suis à Blainville. Puis, ouais, c'est plus que ma mère, on est. Puis je me rappelle ça, je, je me rappelle moi quand ils ont sorti les. Ils annonçaient qu'un iPhone, un iPhone allait sortir. Tu sais, moi, moi, je me rappelle que iPhone, ça n'existait pas. Moi, à mon secondaire, il n'y avait pas d'iPhone. On avait des iPods. Ouais. Hey man, j'avais MP3, 13, 13, même pas euh, 512 MB, même pas une gig, un gig, un demi-gig. J'avais 40 hum. tonnes. Puis le, le, à un moment donné, le monde, ils ont capoté parce que les iPods vidéo ont sorti. Ouais. Ça, ça, dans le fond, c'était un iPhone, mais tu pouvais pas appeler avec. Ça, c'était le shit. Là. <laughs> tu viens aussi, on était comme, yo, la journée, man, l'époque, la, la, on va pouvoir appeler puis voir la personne en vidéo qu'on appelle. Puis là, c'est juste arrivé comme, genre, j'ai oublié que je, que je rêvais à ça, puis je suis comme, yo, j'ai FaceTime, je le fais. J'ai fait Holy shit man, Skype comme si juste c'est arrivé sneaky que ah on commence à contacter du monde en vidéo. J'ai fait waouh. Mais là que notre phone, c'est FaceTime C'est fou red. Ouais. Moi la première fois Mais parlant de ça et genre moi mon moment plus high-tech technologique quand j'étais jeune qui m'a marqué que je trouve drôle live. Je me rappelle, j'avais genre 12 ans, OK? Puis j'avais un Motorola Q. C'était genre la version de ce que Blackberry allait être, tu sais. Puis c'était ce téléphone-là, qu'est-ce que je pouvais faire de malade avec? C'est que je me rappelle amener à être à la ronde dans la file de, du Goliath, genre whatever, c'était quoi le style de manège dans le temps? Puis j'étais sur MSN. J'étais sur MSN sur mon fucking cellulaire, parce que c'était MSN qui existait. Là. Puis j'updatais mon statut là, comme un épée, j'étais comme je suis à la ronde. Je me je suis dans la ligne du Cobra. Ouais! Wow, t'envoyais-tu des whiz? Totalement, j'étais la PDP. Toutes les filles qui me répondaient pas, j'envoyais des whiz. J'étais comme, pourquoi tu m'ignores? Wow, ça c'est ouais. une des raisons pourquoi je me suis pas fait une blonde dans, dans, <laughs> mes, dans, mes, dans mes premières années de secondaire. J'étais le nudge guy. Yes. Oh, ouais. <laughs> j'étais le gars qui écrivait ses statuts avec des vagues, puis des, des étoiles, puis des, des grosses lettres, des petites lettres. Tu ce monde-là? Faudrait... Non. <laughs> tu faisais les, les, les logos dedans. Puis avant de terminer, j'ai une question que je sais pas, je trouve ça j'ai le goût de te demander ça. Euh, toi, es... Alex, t'es roux? Oui. Est-ce que tu euh, t'es fait dire que t'avais pas d'armes quand t'étais plus jeune? Des shit de même à cause de South Park? Ou tu l'as vécu celle-là? Ben, les gens ouais, me disaient, ben, c'était plus à l'adolescence, oh, si t'as pas d'armes ou. Euh... Euh, ouais ouais, j'entendais ça, puis moi vu que j'écoute pas South Park, j'étais comme ben, ok. <laughs> nice, fait que ça ne t'a pas affecté, Tax. que ça. Moi j'ai jamais. Euh, j ben, c est, c est, ce qui m'a le plus affecté, c'est d'être roux, là. Tu sais, ça, ça me donnait des coups de soleil. Moi, les insultes, ça me faisait pas. <laughs> ça, ça, ça me faisait pas mal, mais être roux me faisait mal, tu comprends? Ouais. Ça me fait mal encore à ce jour. Fait que j'essaye encore de travailler mon tan, puis je suis comme yo, tu sais que j'ai mal. C'est rouge, là, je deviens. Je passe de comme blanc à ton background. De l'autre. Ah, oh man. puis plus l'été avance, plus que je me fais comme une genre de croûte, de brûlure. Fait que je finis par bronzer un peu, mais c'est comme même plus rendu ma peau. C'est juste rendu comme. Des couches de burn qui deviennent plus comme du bacon. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais. Mais <laughs> qui fait le plus mal, c'est d'être roux. Chris. Fait que dans le fond, s'il y a des auditeurs qui écoutent à la maison, puis vous êtes des jeunes roux, vous faites récurrer à l'école, prenez soin de votre peau. C'est ça qui compte. Mettez de la crème solaire, puis crissez-vous ouais. de ce que le monde pense. puis juste ouais. ça, ça va faire mal que ça va brûler. <laughs> Mais ouais, mais, mais ouais. Mais, être roux, c'est hot aussi. Il n'y a personne d'autre qui te ressemble. Il euh... y en a trois à mon école qui avaient cheveux noirs. On était quatre roux. Fait... <laughs> ben, Alex... C'était comme des props. <laughs> ouais. bon, si si j'aimerais les hommes, tu serais trop mon style. Parce que moi, je tripe sur les russes. Mais malheureusement, j'aime les femmes. Donc, tu c'était pas trop mon style, mais ouais, je trouve une, une fille rousse, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ben ouais. Faudrait pas que tu rencontres ma petite soeur d'abord, mais ben, t'es en couple, fait que sorry, ah. mais elle, elle, elle c'est comme une carotte, carotte rousse, là, genre. Ah, pas avec ouais, les cheveux ouais. en, en plus. Ouais, ouais, ouais. Tout le kit, mon chum, mais elle n'a pas... On, mais On se ressemble beaucoup, quand on était jeunes, les gens pensaient qu'on était des jumeaux, parce qu'on... Deux roues, deux roues des gens partant en, en, sur trois enfants, c'est excessivement rare, là. C'est comme 1% de la population mondiale. T'as-tu encore gelé? Je m'excuse vraiment. Euh, ben oui. <laughs> je suis là dans ta Alex Biz, qui est vraiment nice de dealer avec mes problèmes techniques de ce soir. C'est embarrassant. C'est la première fois que ça m'arrive. <laughs> euh, je vais faire une anti-publicité. C'est pas toi, Max, c'est ton internet. C'est pas toi. Fuck your vidéotron. T'es <laughs> vidéotron? En plus, c'est vidéotron. Ah. J'ai de la misère, là. Je travaille à partir de la maison puis je déconnecte tout le temps, en plus. Ah, ah ouais? Ouais, c'est frustrant. Ah, il va te... falloir tes appels, là. Ouais, mais je les appelle tout le temps. En tout cas, on pourrait en parler des heures, mon cher Alexandre. Mais ouais, je, je vais terminer ça, parce que t'es gentil d'avoir attendu, puis je sais que t'as un horaire du temps chargé, tu t'as ton tournage et tout, euh, je pense, demain. Fait qu'on va te closer ça, toi. Alex, je te remercie pour vrai d'avoir été là. Euh... Merci à toi, man. C'était génial. Y a-t-il des affaires que, que tu veux plugger? Euh, page Instagram, page YouTube, euh, whatever, tes projets qui s'en viennent. Euh, Qu'est-ce que tu euh, veux me parler avant? J'ai un nouveau podcast qui sort là. là ben en mai, je ne sais pas c'est quand que tu sors ton euh, l'épisode, mais sûrement en mai, mai Je sors l'épisode en genre deux trois semaines, donc ton podcast fait, va être genre. Le podcast là, sort je... dans pas long. Là, il sort là, peut-être, ça s'appelle le podcast fait que je reçois des invités que vous connaissez, genre euh, euh, mariana Mazos, Sam Breton, euh, Rosalie Vaillancourt, euh, Pierre-Bruno-Rivard viennent, j'en euh, ai d'autres, mais tu sais, du monde le fun, puis ils viennent me dire quelque chose qu'ils n'ont jamais dit auparavant dans un podcast ou dans une entrevue. Fait que c'est vraiment genre un confessionnal. Euh, c'est vraiment fou. J'ai tourné un épisode, ça va être sur le YouTube de Juste pour rire. Euh, puis toutes les informations vont également être sur euh, la page Facebook de Juste pour rire. Ma okay, page Facebook. C'est affilié avec Juste pour rire, c'est malin. Oui, je le fais dans leur studio, euh, mais je produis ça avec euh, mes gérants. Fait qu'ils ont un nouveau studio à podcast. Euh, sinon, vous pouvez avoir euh, toutes les informations euh, de mes futurs shows sur ma page Facebook Alexandre Bisaillon. Sinon, euh, mon Instagram, même nom, euh, ou Alexandro Biz. Je pense que c'est ça, mon nice. Instagram. Mais Vous pouvez juste comme Instagrammer <laughs> Alexandre Bisaillon, puis je vais popper. C'est le gars qui a la même face que moi. Voilà. Euh, sinon, euh, euh, ouais, c'est ça. Top Dog saison 2 sort en juin sur nouveau.ca. En euh, ah, fait, c'est bientôt. Là. Moi, je pensais que ça allait sortir plus loin que ça. Là. Non, non, en juin, je, ouais, je moi, tout, d'habitude, c'est euh, à l'automne. Là, ils veulent, ils veulent le sortir l'été. Fait que euh, moi, je suis comme why not? On tourne, on tourne ça là, tout le mois d'avril. Euh, Puis Sinon, j'ai-tu autre chose? Ah, ben euh, je vais, le prochain stand-up, je vais faire partie de tout ça. Euh, ça que je tu vas être... filmer euh, au mois d'avril? Euh, prochain c'est au mois de mai, je pense. Euh, oui, c'est début mai. Début mai. Okay. Euh, je vais également faire partie de euh, Fait que Ça, c'est à Z. Je vais, je vais écrire un numéro From Scratch sur un sujet euh, whoo, qui, 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 qui est chaud. Ah, c'est ça, euh, Red. Oui, c'est ça. Tu ouais, t'écris sur un nombre un, un qui fait pas, qui peut ne pas faire l'unanimité. Euh, puis, je pense que je retourne à Rose Battle. Je pense qu'on on est en train de confirmer ça, Rose Battle. Que je m'étais fait sortir en première ronde l'année passée, mais là, ça va être Business Revenge. Tu t'es fait sortir par qui en première ronde Moi, j'ai regardé Rose Battle mais juste à partir du, du, du troisième épisode. Et... Je, me suis fait, je me suis fait sortir par Catherine Etier. Elle était bonne. Ah oh ouais, à coup de joke ouais. de féministe. Ouais, 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 ouais. Ils n'ont pas, <laughs> pas aimé mes jokes de, de graines. Non, ah! j'ai pas, pas fait de jokes de graines. <laughs> mais voilà, fait que ça, c'est pas mal mes, mes, mes plans, écoute, puis. Euh... Il va y avoir d'autres choses aussi qui vont venir euh, en cours de route, peut-être d'autres galas, on on le sait pas. Là, en ce moment, tu sais, il y, y a un processus d'envoyer de, euh, des textes, etc. Fait qu'on n'est pas encore rendu là. Fait que je peux je veux pas me jinx. OK. Avec, euh, okay. Ouais. Mais ça se peut qu'il y ait des enfants nice qui arrivent. Cool. Ça se peut, oui. Fait que tout le monde qui a été là et qui a écouté l'épisode, merci. Euh, Abonnez-vous, ça, ça, ça me rend fou heureux quand vous êtes banni, ça c'est malade. Abonnez-vous, puis je vais le partager aussi, je vais te faire de la promo, Max. Yes, c'était vraiment smart, Alex. Donc, on, on se voit tout le monde la semaine prochaine, puis Alex, on, on se revoit très bientôt. Euh, merci d'avoir été là.